Salutations, jeune padawan de la conduite automobile. Je suis Anthony, ton coach en code de la route et en conduite à l'auto-école Saint-Cyprien Conduite. On repart pour 2-3 minutes de conseils et astuces pratiques autour d'une question de code de la route. Sur l'écran en bas, il y a un pouce bleu, alors n'hésite pas à cliquer dessus. Apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Reste bien jusqu'au bout aussi pour avoir toutes les informations qui peuvent être utiles pour réussir ton code de la route. On passe tout de suite à la question vidéo, alors sois attentif et ne prends pas la tête, hein. C'est une fois de plus pas très compliqué. Par contre, la correction, on va essayer de donner plus de contenu. Ce conducteur s'est correctement placé avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, tu es en présence d'une voie de stockage. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? Une voie de stockage permet de se ranger, se stocker, sans gêner le trafic. C'est vachement pratique. En gros, tu te places dans la voie et ça permet à ceux qui te suivent de continuer sur leur route sans attendre que tu aies pu changer de direction. C'est très utile sur les routes où il y a beaucoup de trafic. En revanche, prudence avant de traverser la route. Je te rappelle qu'on cède le passage quand même à ceux qui arrivent en face, quoi. Tu passes pas. Et dans certaines situations, la visibilité peut même être masquée par le véhicule qui est face à toi. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon. Ici, le mec s'est bien placé puisqu'il se place dès le début de la voie de stockage, il n'attend pas et libère la voie dès qu'il peut. Il est donc bien placé. Contrairement au croisement classique où l'on se croise l'un derrière l'autre, où l'on se croise l'un derrière l'autre, sur les voies de stockage, on se croise généralement à l'indonésienne. Se croiser à l'indonésienne, c'est se croiser par devant. Alors, si tu sais pourquoi on a décidé de dire que c'était un croisement à l'indonésienne et pas un croisement à la brésilienne, n'hésite pas à le mettre en commentaire parce que je ne sais pas pourquoi ça s'appelle à l'indonésienne. Petite astuce, quand tu attends pour traverser la route et tourner à gauche, idéalement, ne garde pas tes roues braquées et tourne vers la gauche pendant que tu attends. Si jamais quelqu'un te percute, ta voiture risque de percuter une voiture qui est en train d'arriver en sens inverse. T'as pas envie de tout péter. Donc écoute-moi, et quand tu t'arrêtes, tu gardes tes roues droites. Très bon, mes conseils sont très bons. Donc si tu dois tourner à gauche et te réfugier dans une voie de stockage, respecte la règle de ne pas attendre pour s'y mettre. En plus, c'est largement plus sympa pour ceux qui te suivent. On se place directement dès que possible, place-toi dans la voie de stockage. Une prochaine question sera là bientôt. Alors, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux ou même à t'abonner. Tu en sais maintenant un peu plus. Et c'est pas fini. Je te dis à très bientôt, salut!